s'embrasser pour partager un peu. Rien de prédéfini à dire, juste partager un peu. La musique que j'écris, elle me fait vibrer, elle m'inspire. J'ai même pas besoin d'y penser, ça qui est le pire. La musique que j'écris dans le fond, c'est mon cœur qui crie. L'insatiable besoin que j'ai d'envie. C'est indéniable, ça fait partie de tout ce que je suis. J'ai pas envie de raconter des conneries ou d'étaler toute ma vie. Je pourrais bien rhymer juste pour répéter la galerie. Mais quand mon cœur parle, lui, y'a pas de complexe. C'est pour ça que c'est toujours long pour moi écrire un texte. Fait que rien de surprenant, je me retrouve devant mon écran à composer d'autres beats satisfaisants, prêt à me faire oublier l'incohérent dans cet enfer dénudé de bon sens. Fait que rien d'étonnant, qu'encore une fois les mains, ces instruments, je suis complètement enivré par le moment. C'est des vibes comme maintenant que je recherche tant, sous je tremble tant, fébrile devant tant d'engouement. Pour ce qui est pourtant seulement le commencement d'un projet captivant, mais en même temps l'enregistrant. C'est là que mon âme se met à me parler. C'est là que je me sens déconnecté. Je veux voyager, peu importe où ça peut bien m'emmener. Oh mais c'est loin. Oh c'est loin. Tu savais comme c'est loin. Oh c'est loin. Loin. C'est loin. Pays imaginaire. C'est un feeling super, mais tellement éphémère. Ça dure le temps d'un petit battement d'aile, d'un sourire fidèle qui se trompe pas, qui ment pas, mais surtout qui s'en va du cas par cas pour me libérer de mes tracas. C'est comme ça, je cherche même pas. Pis c'est là que je suis rendu, je suis plus là. Dans cette atmosphère, que tout pour me plaire. Même si à chaque fois les sons diffèrent, ça me ramène toujours dans le même univers, celui où je vous parle en vert. Puis quand ça me vire à l'envers, c'est parce que ça vient du cœur. Ça dépend de mon humeur, de comment je me sens quand vient le temps d'enregistrer. Mais on me dit de voir plus loin, de foncer sur l'objectif, de réaliser mes rêves. Et voilà comment je suis productif. 4 beats en 2 jours, 2 textes sincères à flavor du jour.